Bonsoir, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici même dans le Collège des Bernardins. Et permettez-moi pour commencer de vous adresser des vœux les plus chaleureux. Je les adresse en mon nom, mais aussi au nom des équipes, que ce soit du Collège et de KTO, qui préparent ces débats. Vous savez, nous n'avons qu'un seul désir, c'est vous proposer chaque semaine des rencontres toutes plus riches et variées les unes que les autres. En tout cas, sachez-le, nous ferons de notre mieux. Et pour commencer 2012, nous allons le faire de façon énergique puisqu'il va être question de sport. Le sport, véritable phénomène de société par la diversification de ses pratiques, par le nombre toujours plus grand de ses adeptes aussi, mais aussi par l'aura médiatique dont il jouit. Le sport est aussi pris entre deux réalités bien contradictoires, à savoir qu'il est à la fois facteur de violence parfois et aussi de cohésion sociale, valeur contre valeur qui caractérise la réalité du sport dans notre société. C'est le thème de notre débat, le sport vecteur de violence ou de cohésion sociale. Et nous avons trois invités ce soir que je remercie par avance d'avoir accepté d'être là. Je trouve leur profil dans sa diversité extrêmement riche et intéressant. À commencer par vous, Max Guazzini, bonsoir. Bonsoir. Alors Max Guazzini, vous n'avez pas cessé au cours de votre vie de transmettre vos deux grands goûts que sont la musique et le sport, si je ne me trompe entre pas. Entre autres. Et qui sont avec vous toujours synonymes de fête. Alors vous l'avez fait en créant la radio Énergie, qu'on ne présente pas, mais aussi en relançant président l'équipe de rugby du Stade français. Et vous avez toujours invité vos contemporains au spectacle, sans une certaine dose de provocation qui vous appartient. Et vous venez de produire, avec toujours grande réussite, au fond c'est ce qui caractérise vos entreprises, un disque de chant grégorien intitulé Credo, et que vous avez réussi à hisser en bonne place dans le hit parade. Avec le disque d'or, je crois. À vos côtés, Gilles Kenervé. Alors bonjour. Gilles Kenervé, vous cumulez un palmarès prestigieux, celui d'athlète d'abord, puisque vous avez en poche un titre de vice-champion du monde de 200 mètres que vous avez obtenu en 1987 et une médaille de bronze aux 4x100 mètres au JO de Séoul en 1988. Et puis, de l'autre côté de votre palmarès, je dirais, c'est la tête et les jambes avec vous, puisqu'il y a l'aspect intellectuel, au fond, puisque vous êtes rentré en 2010 à l'École nationale d'administration. Chapeau, l'École nationale d'administration, il n'y a pas mieux enfin, avec Polytechnique en France. Donc, remarquable, cet éclectisme vous va très bien, car vous êtes un homme à refuser les étiquettes, à chercher en toutes vos entreprises le dépassement de soi. Vous dites l'important, c'est d'exploiter son potentiel. Apparemment, vous avez quelques recettes que vous allez nous partager. Enfin, Alain Christnart, bonsoir. Alors, vous avez derrière vous aussi, décidément, c'est la soirée des prestiges, une carrière de haut fonctionnaire prestigieuse. Vous êtes particulièrement illustré sur deux dossiers sensibles de la République française qui ont en commun d'associer l'insularité et la violence. Je pense au dossier, bien sûr, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse. Vous êtes devenu conseiller d'État et collaborateur ensuite de Bertrand Delanoë. Et puis depuis 2011, et c'est ce qui justifie particulièrement votre présence avec nous ce soir, vous êtes devenu directeur général de la Fédération française de football. Et j'ajoute, car c'est important, que vous êtes un marathonien. Alors, si vous voulez, on va inverser la proposition de ce débat en commençant, je crois que c'est important, par ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire cette dimension de cohésion sociale. Et avant d'employer des grands mots, parce que quand on parle de cohésion sociale, ça évoque déjà des choses un peu théoriques, moi j'aimerais que les uns et les autres, vous commenciez par nous dire, vraiment de façon très personnelle, quelle est la valeur pour vous la plus importante dans le sport? Qu'est-ce qui vous a apporté de meilleur dans votre vie? Max Guazzini, vous commencez? Pourquoi toujours moi le premier? Bon, à titre personnel, je dirais que bon, ça m'a permis de vivre une aventure humaine dans le sport, dans le rugby plus précisément, couronnée évidemment de certains succès puisqu'on a été 5 fois champion de France. Aussi beaucoup de soucis, beaucoup de drames. Enfin, je dirais une aventure humaine. Le collectif. Le collectif. Gilles Kenervé, vous, c'est pas le collectif? Enfin, peut-être que si, dans le 4x100 mètres. Voilà, aussi avec le relais. Non, moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Pour moi, le sport, c'est ma vie, c'est tout. Puisque c'est une activité qui m'a permis de me structurer, qui m'a permis de me socialiser. Et j'ai l'habitude souvent de dire que j'étais un gamin lorsque j'ai débuté le sport. Et je suis devenu un homme grâce à cette aventure humaine. C'est ce que vient de souligner Max Guazzini. Et je pense que c'est ce qui nous relie tous, c'est cette aventure, avant tout. Alain Christnart. Oui, alors moi, je n'ai pas les états sportifs de votre voisin de gauche hein, et je n'ai pas remporté de médaille en marathon. Le sport, c'est une activité que j'ai toujours du mal à pratiquer et à dégager de la gangue du travail. Mais quand j'y parviens, et notamment
dans la course de fond, qui est individuelle, mais qui est en même temps collective, parce qu'il y a un groupe avec, on est porté par les autres coureurs, il y a le dépassement de ses limites. Enfin, le fait que, comme un écrivain japonais qui est aussi un marathonien l'a raconté, enfin, au bout de 20 km de marathon, on se dit « je vais faire le meilleur temps que j'ai jamais fait ». Au bout de 30, on dit « je vais faire un temps moyen », et puis au bout de 35, on dit « mais pourquoi je suis venu aujourd'hui ?» Voilà. Et donc on va au-delà, on cherche sa limite, et ça c'est important, parce que je crois que ce soit au sport, ou au plan intellectuel, ou au plan spirituel, l'homme cherche ses limites et est heureux en tentant de les dépasser, de les atteindre. Mais, alors en quoi ça contribuerait à construire la société, à construire sa cohésion? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par ce dépassement, par ce goût de l'effort, en quelque sorte, pour arriver à faire société? Quel lien vous faites entre ces deux dimensions? Alors, l'aspect social du sport, il est double. Hein. Il y a un aspect social et collectif dans la pratique du sport, et notamment de certains sports collectifs. Et puis, il y a évidemment les spectateurs, les supporters, ceux qui adhèrent. Donc, c'est un groupe... celui de tous les amoureux d'un sport, du rugby, du foot, etc., qui est animé par les mêmes valeurs, qui réagit à des valeurs positives, le succès de son équipe, mais qui est un succès sportif, qui n'est pas une défaite de l'autre. Donc ce sont des émotions. Je crois qu'on ne peut pas dissocier le sport de la passion. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a la valeur positive de la passion qui est l'effort collectif, l'adhésion, l'enthousiasme. Et puis, il y a le versant noir de la passion qui est la violence, l'agressivité. Alors, émotion, passion, ça, Max Guazzini, ça vous parle? Parce que si quelqu'un, j'ai parlé de vous en disant que vous associez le sport à la fête, c'est vrai que, enfin, moi, je fais partie des gens qui ont été agiter leur petit drapeau rose au Stade de France à votre invitation. C'est extraordinaire quand même d'avoir réussi à faire venir autant de gens autour de matchs de rugby. Oui, bien sûr. Là, on parlait effectivement de la passion. Et pour en revenir quand même à la cohésion, disons que je dirais que la cohésion, c'est un idéal difficile à atteindre, puisque la cohésion, c'est un petit peu l'inverse de la lutte des classes, quoi. Donc la cohésion sociale, c'est un peu l'inverse de la lutte des classes. Donc, je crois que c'est un idéal, la cohésion, mais un idéal difficile à atteindre. Et je me demande d'ailleurs si le sport peut vraiment l'atteindre. Bon, on verra ça, je crois, avec d'autres points. Et vous, Gilles Quénervé, est-ce que cette dimension de cohésion sociale, est-ce que, par exemple, vous étiez donc une figure de l'athlétisme, donc voilà, vous avez personnalisé, personnifié quelque chose d'élevé pour beaucoup de jeunes. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, il y a des gens qui disent « Ah oui, je le reconnais bon. ». Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Vous vous sentiez porteur de quelque chose dans l'intérêt collectif? Je pense que c'était effectivement intéressant de sentir une certaine ferveur autour de nous, sportifs, autour d'une équipe de France, autour d'un hymne, autour d'un drapeau. Et je pense que le sport est vecteur de cohésion sociale dans le sens où il permet de rassembler des énergies, de rassembler des personnes autour d'un même objectif, autour d'un même idéal. Et cette cohésion sociale, on la retrouve malheureusement difficilement dans notre société. On est une société de plus en plus individualiste, où chacun tire un peu dans son sens. Et le fait de pouvoir, à un moment donné, pouvoir rassembler les Français autour d'une compétition, autour d'une équipe. On a vu cette équipe de France magnifique lorsqu'on a remporté la Coupe du Monde de football ou d'autres, dans d'autres disciplines. Je pense que c'est important. Et cette cohésion, effectivement, on la retrouve lors de grands événements. Donc le sport, au-delà de ce qu'il peut permettre à l'individu, c'est-à-dire un accomplissement personnel, une quête d'excellence, je pense effectivement peut être vecteur de cohésion sociale. Au-delà des querelles de clochers, mais dès que l'on parle nationalité, dès qu'on parle nation, dès qu'on parle drapeau, dès qu'on parle pays, que l'on parle France, effectivement, on retrouve cette cohésion. Il y a une thèse de sociologie, on ne va pas s'étendre sur son contenu, mais enfin, qui dit, et qui est ancienne, qui dit que le sport est un facteur de civilisation. C'est-à-dire qu'au fond, il y a à travers le sport, grâce au sport, une voie pour maîtriser la violence. Que cette violence, elle est présente dans le sport. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est vrai que le dépassement de soi, c'est d'une certaine façon violent. Et que, à travers les règles du sport, on arrive à des actes de civilisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Pour pratiquer le sport, c'est accepter des règles. Donc, pour les sportifs, ils doivent accepter des règles. Dans le public, c'est notre débat, parce que je crois que le sport aussi, c'est aussi pour le public un refuge contre la solitude, dans la cohésion sociale. Et je crois qu'il y a une façon de se sublimer, d'être un exutoire dans la société.
de fuir la solitude en se retrouvant dans un groupe, qui soit petit ou beaucoup plus grand, national, comme ça a été dit tout à l'heure. Et très certainement aussi que je pense que le sport, c'est une façon de fuir la solitude, paradoxalement. Le rugby est particulièrement impacté par cette dimension des règles. Enfin, moi, j'ai le souvenir du tournoi des Cinq Nations quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans. C'était les mêlées inouïes qui mettaient 10 minutes à se défaire. Ouais. Maintenant, on arrive à quelque chose d'incroyablement ordonné, malgré tout, ce qui n'a pas tué le jeu pour autant. Oui, parce que le sport est devenu professionnel. C'est un bien, c'est un mal, ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, le rugby, il y a des règles. Mais je crois que dans tous les sports, il y a des règles. Il y en a dans le football, il y en a dans l'athlétisme. Il faut les respecter. On ne peut pas transgresser les règles dans le sport. Je parle au niveau des pratiquants. Alors pour le foot, est-ce que justement il n'y a pas là un sujet ? Je reviens sur la cohésion et la civilisation, parce que la vie, c'est aussi l'agressivité. C'est-à-dire que sans agressivité, il n'y a pas d'activité. Agressivité, c'est aussi, dans un sens, le contraire de passivité. Donc, je crois que la civilisation, c'est le fait que les pulsions humaines sont canalisées par des valeurs positives dans des activités créatrices. C'est ça. Voilà. Donc, les pulsions, l'agressivité, il y a des écrivains qui la dominent et qui la rendent positive par des mots. Il y a des artistes qui la rendent positive par un tableau. Enfin, voilà. Et le sport, c'est une manière aussi de rendre positive cette agressivité. Alors après, dans cohésion, il y a plusieurs aspects. C'est vrai qu'il y a les images des Champs-Élysées, la Coupe du Monde, il y a une cohésion nationale qui peut d'ailleurs, dans certains cas, tourner vers le nationalisme, de même que la cohésion dans un club peut tourner au communautarisme, en fait. Bon. Mais moi, je vois un autre sens au mot cohésion qu'il faut rechercher, qui est d'ailleurs lui aussi menacé, qui est le sport. Idéalement, c'est une activité qui ne connaît pas l'origine sociale, qui ne connaît pas la race, qui ne connaît pas la religion. C'est une des activités humaines, et finalement, il n'y en a peut-être pas tant que ça, qu'on peut pratiquer en laissant un certain nombre de caractéristiques au vestiaire, enfin, au sens propre et figuré. Et ça, c'est une richesse à protéger qui parfois est menacée. Bon, on me dit, pour revenir au football, qu'il y a certains endroits, il y a des clubs de football qui se créent sur un critère communautaire. Alors évidemment, quand ce club créé sur un critère communautaire va rencontrer un autre club lui-même créé sur un critère communautaire, au moins c'est déjà la rencontre de deux communautés. Mais c'est une pente qu'il faut essayer de ne pas descendre. Le sport, c'est le rassemblement quand même. Le rugby, il est l'émanation des terroirs, des communautés régionales. Des terroirs, pas seulement, des villes. Je crois que le rugby, effectivement, comme ça a été dit, c'est un grand facteur de mixité sociale. Moi, j'ai vu vraiment des supporters, des grands patrons, jusqu'aux simples employés ou des chômeurs, et tous réunis autour d'un club, d'une équipe, etc. Effectivement, c'est un point très important, c'est la mixité sociale dans le sport. Alors, qu'est-ce qui fait que cette belle mécanique-là s'enraye D'abord, est-ce que vous êtes, J.K. Hervé, sensible à cette dimension de la violence dans le sport? Comment est-ce que, personnellement, elle vous atteint et d'où vient-elle, d'après vous? Qu'est-ce qui Bien sûr, je pense que tout spectateur est sensible à la violence dans le sport, puisque moi, je suis l'émanation d'un sport, effectivement, où il y a très peu de violence. Mais lorsque je vois certains sports, et notamment collectifs, je suis surpris par les proportions que peut prendre la violence, effectivement. Alors, il faut dissocier la violence du sportif et la violence engendrée par le sport. Je crois qu'il y a très peu de violence engendrée par le sportif. Par contre, c'est l'environnement, ce sont les supporters, ce sont effectivement toutes ces personnes qui jouent leur vie sur un match ou sur une compétition, alors qu'ils sont pas très peu concernés. Donc je pense qu'il faut dissocier ces deux types de violence, entre violence des sportifs et violence émanation du sport. Malheureusement, effectivement, nous sommes dans une société où cette violence grandit. Il n'y a pas uniquement dans le sport. Je crois qu'effectivement, nous avons une population qui vient dans les stades, qui est aussi dans la rue, qui est confrontée à une société de plus en plus dure, de plus en plus violente, et on retrouve ces comportements, effectivement, dans l'enceinte sportive. Alors, violence des supporters, soit, mais violence aussi des sportifs. Moi, je voudrais quand même qu'on évoque le coup de boule de Zidane, et puis la sympathie du président de la République de l'époque pour l'action en question. Là, c'est quand même des sportifs qui dépassent les lignes jaunes et qui font de la violence un acte banal.
Oui, alors là, enfin sur cet acte, il y avait des explications, une provocation, je ne sais pas, c'est pas une excuse, mais ça n'entache pas le comportement par ailleurs exemplaire de ce joueur. Moi, je voudrais, on ne va pas évidemment étaler des chiffres, mais dire d'abord que c'est un phénomène qui, certes, est préoccupant, mais est très limité. Alors, on a créé à la suite d'un certain nombre d'incidents un observatoire des comportements qui liste les incidents de toute nature. Donc, par exemple, sur la saison, puisqu'en sport, enfin en football notamment, on raisonne du 1er juillet au 30 juin, sur la saison 2010-2011, il y a eu 711 000 matchs joués, oui, à tous les niveaux, évidemment. Ce n'est pas toujours Paris Saint-Germain contre OM, mais 711 000 matchs. Sur ces 711 000 matchs, il y a eu 12 000 incidents répertoriés, ce qui paraît énorme, mais on répertorie déjà pour la moitié des incidents verbaux. C'est-à-dire les menaces, les intimidations, etc. Après, donc le reste, la moitié, ce sont des agressions physiques. Donc là, on a les bagarres 240, les coups individuels 4000, les tentatives de coups 340, les jets de projectiles 96. Vous voyez, au total, même en prenant les incidents verbaux, ça représente 18 pour 1000, enfin, moins de 2% des matchs. Donc, il faut quand même relativiser le phénomène. Et ça intègre ce qui se passe à l'extérieur des stades. Oui, tout à fait. Ce sont les incidents. Voilà. Alors, après, il faut distinguer. Moi, ce qui me paraît le plus préoccupant, ce ne sont pas, au fond, les violences extrêmement graves qui ont conduit parfois, évidemment, à des victimes, bon, qui sont le fait de bandes assez bien connues, qu'on peut maintenant... écarté des stades par des mesures législatives d'interdiction. Enfin bon, ça, c'est un phénomène extrême. Ce qui est plus gênant et qui, là, a tendance à s'aggraver, ce sont les violences de la part, au fond, de spectateurs, voire de joueurs ordinaires. Enfin, ce sont, par exemple, un phénomène auquel on est très attentif, les violences contre les arbitres. Violences qui sont parfois physiques, qui sont parfois verbales. Ça devient assez fréquent. Autre exemple, les violences entre joueurs. On a eu récemment une compétition dans le 15e arrondissement de jeunes footballeuses. Bon, tout le monde sait que le football féminin se développe et qu'on lui voit des qualités de moindre violence, justement, de plus grande urbanité, etc. Et bien là, ces jeunes filles, donc c'était les moins de 17 ans, puisque les catégories par âge, à la fin du match, la capitaine de l'équipe qui avait gagné a fait un grand signe de victoire. Et une partie de l'équipe adverse lui est tombée dessus. Ouais, bon. Donc ça, ce sont des comportements qui ont certainement des explications sociologiques, psychologiques, mais qui sont évidemment préoccupants et contre lesquels on essaye de lutter. D'ailleurs, on évite les rencontres des petits clubs locaux, oui, sans un arbitre officiel de la Ligue, non ? Enfin, comment ça se... Non, il y a toujours un arbitre dans une compétition. Enfin, la plupart des compétitions, même amateurs, il y a des arbitres qui sont bénévoles, etc. Non, mais l'arbitre, il arbitre pendant le match. Il n'arbitre pas après le match. Il n'est pas chargé de faire la police quand une équipe vient agresser l'autre parce qu'elle a gagné. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis moins préoccupé, parce que c'est un phénomène connu, par l'agressivité de certains supporters qu'on essaye de canaliser, d'exclure, etc., qu'on connaît bien, que par le fait que parfois, et peut-être de plus en plus souvent, il y a des bouffées de violence venant de la part, d'adolescentes qu'on considère au contraire comme plutôt sages, et parfois d'un public banal, pas toujours populaire, qui conspue l'arbitre, parce que le dirigeant a tort. D'ailleurs, moi, je crois qu'on devrait interdire aux dirigeants de commenter l'arbitre. Parce que le dirigeant a dit, si on a perdu le match, c'est à cause de l'arbitre. Et bien après, des bons spectateurs, parfois tout à fait bourgeois, se lancent dans l'invective contre l'arbitre. Voilà, ça, c'est des phénomènes qui sont entre l'incivilité et la violence et qui ont tendance à se développer. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de se défouloir ? Non, mais si j'ai bien compris, monsieur le préfet, vous parlez de football, là. Il ne faut pas non plus généraliser. Donc, parler de football. Donc, alors, dites-le, pourquoi est-ce que le rugby... Non, voilà, serait à l'écart de ce genre de phénomène. C'est une question que je me... Peut-être le football, effectivement, est le sport le plus populaire. Mais ce qu'on voit, c'est que quel que soit le niveau de la compétition, comme vous l'avez souligné tout à l'heure avec les jeunes filles du 15e,
J'ai noté, pour la petite histoire, qu'il y a eu une rencontre en 2008 entre l'équipe de la Samaritaine et celle du Gaz de France à Sarcelles, qui s'est soldée par des coups de couteau. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le championnat de France, ce n'est pas la Ligue 1. Pourquoi le football, il y a certainement aussi des violences dans tous les sports, effectivement. Mais ce n'est pas une question de niveau. Je crois qu'on se sublime. Je crois qu'on est là par procuration. Et depuis le XVIIIe siècle aussi, bon, le sport, c'est souvent des duels, quoi. C'est un peu le règne animal, c'est le dominant et le dominé. C'est le jeu donc, du stade. C'est un peu, oui, dans la Rome antique, on disait du pain et des jeux, quoi. Ouais. Donc peut-être que ça permet au niveau au niveau social, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être un exutoire vis-à-vis de certaines pulsions qu'on a en nous, qui sont peut-être animales, j'en sais rien, mais il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai que, j'ai rien contre le football, on est bien d'accord, mais c'est vrai que c'est un sport très populaire et dans tous les pays, il y a des problèmes. C'est pas... Il y a un travail remarquable qui a été fait à Paris, mais enfin, pour le moment, mais c'est un... Pourquoi, j'en sais rien, il faudrait demander peut-être au directeur général de la Fédération française de football qui... Pas certainement une analyse plus pointue que la mienne. Pourquoi dans le rugby il y a beaucoup moins, pourquoi les supporters sont mélangés dans les tribunes, on distingue pas les tribunes, pourquoi? Je pense que dans l'athlétisme il se pose pas tellement de problèmes. J'étais à une compétition de perche, il n'y avait pas de problème non plus, donc je sais pas, il faut vous le demander. Alors, vous avez dit un truc qui me semble très important, c'est que cette fonction de catharsis, au fond, qui serait au cœur du sport, vous avez dit par procuration, on a besoin que ces sportifs qui se subliment, qui se dépassent, expriment quelque chose qui peut parfois être de l'ordre de la violence. Vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que si vous êtes d'accord avec ça, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas tuer ça? Enfin, je veux dire que si on met trop de discipline, trop de règles, trop de policiers, il ne va plus rester cette dimension. Est-ce que cette dimension, au fond, est saine et est-ce qu'on peut la canaliser? C'est le qui est énervé. Je pense qu'on peut la canaliser, effectivement. Maintenant, comme je disais, je pense que on est dans une société, effectivement, de plus en plus violente. Donc, pour canaliser, effectivement, il faut revenir sur des fondamentaux, il faut revenir sur des valeurs. Et surtout, il faut faire comprendre aux gens, effectivement, que ce n'est que du sport. Nous sommes uniquement sur une compétition, sur du plaisir, sur un divertissement, et non pas sur quelque chose qui va bouleverser la vie du monde. Je pense que malheureusement, trop de gens jouent leur vie sur une compétition, sur un match. Depuis que le monde est monde, il suffit de voir les matchs de boxe. Vous mettez un adversaire contre un autre, et vous avez un public tout autour, voilà, qui va se déchaîner parce qu'ils vont investir le ring à la place du sportif. Donc le canaliser, oui, mais je pense qu'il va falloir faire un gros travail sur les valeurs. Et malheureusement, nous sommes en perte de valeurs, nous sommes en perte de crédibilité dans notre société, et tout cela rejaillit sur le sport. Mais si ces spectacles sportifs donnent sens à la vie de gens qui sont par ailleurs dans des situations d'échec, de frustration, c'est pas malsain non plus, tout ça. Tout ça est quand même à prendre en compte, non? Il faut que le sport le permette, j'allais dire l'encourage. Le football anglais, qui était particulièrement marqué par les violences, un drame du Hazel, etc., a en partie résolu son problème d'une manière sur laquelle il est intéressant de s'interroger, en augmentant considérablement le prix des places. C'est-à-dire qu'en France, sauf pour les très grands matchs, le prix d'une place normale, un match de foot, c'est 10-12 euros. En Angleterre, c'est 70 euros. Bon. Donc on a évidemment écarté toute une frange de la population. La violence, la pauvreté, l'enchaînement, etc., qui évidemment n'a plus cette activité. Donc c'est une méthode radicale à l'anglaise un peu, mais moi elle me séduit pas totalement, quoi. C'est je pense que l'objectif c'est d'essayer d'intégrer tout le monde, d'essayer de faire venir et de pas priver toute une frange de la population sur un critère d'argent sous prétexte que les violents sont plutôt ceux qui n'ont pas d'argent. C'est l'inverse de ce qu'a fait Max Guazzini en tout cas. C'est le public qui a fait, mais c'est vrai que dans le sport par exemple les supporters on se permettre de dire des noms d'oiseaux pour pas dire autre chose, qu'on dirait jamais, les mêmes personnes ne le diraient jamais dans la vie civile. Et là, parce qu'il y a un match, ils traitent les gens de tous les noms, et c'est incroyable, cette espèce de procuration, de vie par procuration, que le spectateur peut parfois, pas toujours et pas tous, se comporter ainsi dans un match
de sport, quoi. Enfin, vous, non, mais c'est pas pour vous flatter, Max Guazzini, mais vous avez quand même abordé cette problématique du spectacle sportif avec un certain nombre de recettes qui sont à l'évidence à l'inverse de celles qu'on vient d'évoquer pour l'Angleterre. Vous, c'était la place à 10 euros, c'était faire venir les femmes. Il y en avait à 5 euros, il y en avait à 5 euros. 5 euros, oui, modeste. Parce que je voulais pas que l'argent soit une barrière pour le public et que tout le monde puisse venir voir. Venir au stade, je parle du Stade de France. Et vous pensez que c'est ça le facteur principal ? Quel est l'enchaînement qui a le cercle vertueux qui amène... C'est notre question. Le prix des places, c'était pour permettre à tout le monde de venir. C'était un aspect plus social et je ne voulais pas, encore une fois, qu'une famille, dans les temps que l'on vit, puisse être privée d'un spectacle parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir avec leurs enfants, etc. Non, le sens de la fête, oui, peut-être aussi, c'est aussi un exutoire, la fête, oui, faire la fête autour d'un match. Je sais pas, je suis toujours un petit peu timide quand on me parle de ce que j'ai fait. Mais on a essayé de donner du bonheur aux gens, c'est ce qui est important. Et c'est vrai que bon, le rugby, jusqu'à présent, ne génère pas trop la violence, même si certains présidents se laissent aller à des écarts de langage, bien entendu. On sait... dire ce qui mobilise les gens pour aller au stade. On connaît un peu les phénomènes de supporters. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des études probablement là-dessus. Ah, oui. Alors, il y a d'abord plusieurs catégories de public. Il y a les spectateurs, il y a les supporters. C'est assez différent. Et dans les violents, les études, notamment policières, distinguent, puisque tout ça vient de l'Angleterre, les hooligans. Et les ultras. Les hooligans, ce sont des gens qui viennent au match, mais qui finalement s'y intéressent relativement peu, qui trouvent cette occasion de manifester une violence. D'autant, et c'est un aspect important, qu'elle est médiatisée. Parce qu'il y a aussi la violence pour qu'on voit la violence à la télévision, ou pour qu'on voit la cause qu'on proclame, ça c'est le phénomène des banderoles à la télévision. Et il y a l'ultra. L'ultra, c'est quelqu'un qui est complètement... dans le soutien à un club et qui le manifeste d'une manière qui peut déraper et devenir violent. Et donc, on travaille beaucoup sur ces différents segments. Je voulais signaler, par exemple, l'action tout à fait remarquable d'une fondation franco-allemande qui s'appelle la Fondation Nivelle, du nom d'un gendarme qui avait été grièvement blessé à Lens en 2000, pendant la Coupe du Monde. Et cette fondation observe, notamment en Allemagne, mais aussi en France, le comportement des supporters dans la relation avec la police. Et là, il y a une éducation. Alors, ça peut paraître presque paradoxal par rapport à l'affichage des grands principes, mais je cite un exemple d'action qui a fonctionné. On voyait qu'en Allemagne, lorsqu'il y avait des supporters de clubs du Nord qui allaient soutenir, du Nord d'Allemagne, qui allaient soutenir leur club, qui allait jouer dans le sud, il y avait toujours des incidents avec la police allemande. Et donc, on a interrogé les groupes de supporters. On leur a dit, mais pourquoi vous êtes violents alors que dans le nord, etc. Et la réponse a été que la police, vous savez que tout ça est très Länder par Länder, évidemment, la police de Bavière n'a pas du tout la même réaction que la police des États du Nord. Dans les États du Nord, il y avait une espèce de bagarre rituelle à la sortie du stade avec la police. Les supporters allaient vers la police qui reculait, puis après la police avançait et reculait. Et au fond, ils ne se cognaient jamais dessus. Et quand ils sont allés à Munich, la police bavaroise, elle n'a pas reculé du tout, quoi. Voilà. Et bon. Donc ça paraît anecdotique, mais même la connaissance réciproque, si vous voulez, les policiers qui vont rencontrer les groupes de supporters, qui s'expliquent, bon, il y a une... Parce qu'on a tendance, quand tout ça éclate, à considérer que ce sont des abstractions, le supporter violent, le policier. Bon, en fait, un travail de terrain, d'écoute, peut aussi aboutir à des résultats. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent là-dessus. Peut-être qu'on en parle trop, au fond, de cette violence dans le sport. Peut-être que c'est un peu ce que vous voulez dire, là. C'est qu'ils cherchent une publicité autour de leur débordement et que peut-être il faudrait traiter ça par un plus grand mépris. Je crois qu'il faut effectivement mettre en avant les vraies valeurs du sport, c'est-à-dire le plaisir, la convivialité, le partage, la mixité sociale. Je pense que c'est ça qui est important. Et effectivement, se focaliser sur la violence engendre la violence. Effectivement, c'est une publicité gratuite pour des pseudo-supporters, de pseudo-amoureux du sport. Et je suis persuadé, effectivement, qu'il faut mettre en avant d'autres valeurs et faire une publicité forte sur ce que représente réellement le sport. Alors, comment vous y prenez ? Non, je vous dis ça à vous, Gilles Kénervé, parce que
je crois que vous avez pris des initiatives dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui contribue à faire du sport un facteur d'éducation. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai créé avec d'autres sportifs de haut niveau une association et nous intervenons auprès du jeune pour prôner ses valeurs, c'est-à-dire le partage, l'amitié, la convivialité, le plaisir, et leur faire comprendre qu'effectivement le sport était porteur de valeurs, était porteur de valeurs éducatives. Le sport vous permet de vous accomplir, le sport vous permet de réagir différemment face aux problèmes, le sport vous permet de relativiser après un échec, de rebondir, et de leur faire comprendre que toutes ces valeurs qui sont prônés par le sport, qui sont véhiculés par le sport, vous pouvez effectivement vous en servir dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, afin que, alors c'est peut-être un vain mot de dire que voilà, que, afin que la société aille mieux, mais je pense qu'effectivement c'est important que des sportifs de haut niveau qui ont une certaine exemplarité ou qui devraient avoir une certaine exemplarité puissent prôner ces valeurs auprès des jeunes. Vous en faites pas un cours de morale. Enfin, je vous imagine devant une classe dans une école. Non, non. Quelle est la méthode ? Non, parce que c'est toujours d'une certaine manière facile d'évoquer les valeurs, de dire elles sont là, ça. Mais alors il y a, l'exemplarité de votre parcours, sûrement. Oui. Bon, mais enfin, ça fait peut-être pas tout. Quelles sont les façons ? Est-ce que vous les entraînez ces jeunes à faire des choses avec Bien vous sûr. C'est la pratique en commun. C'est le fait de pouvoir vivre avec eux. Nous sommes des sportifs de niveau. Nous vivons une semaine, 15 jours avec des jeunes. Donc ils nous voient vivre. Ils voient les règles que l'on respecte. On essaye de leur inculquer ces règles. Ah, vous êtes en séminaire avec eux ? Tout à fait. On vit avec eux. C'est-à-dire pendant les grandes vacances. Ou pendant les vacances scolaires, on est au contact de ces jeunes et on leur permet de côtoyer ces sportifs qu'ils ont vus à la télévision ou qu'ils ont vus dans les journaux. Et puis on leur explique ce que c'est le sport, que ce n'est pas toujours facile, que c'est beaucoup d'efforts, que c'est du travail, que ça vous permet de vous accomplir et que cette quête d'excellence, vous pouvez la retrouver dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Cette dimension d'exemplarité, Max Guazzini, elle vous parle aussi ? Oui, je pense que les éducateurs, les dirigeants, les présidents ont un rôle très important pour les sportifs. Et parfois, ils ne s'en doutent même pas. Et ils le réalisent après où on leur dit. À titre personnel, moi, il y a des joueurs qui, bien des années après, m'ont écrit des lettres merveilleuses en me disant « Grâce à toi, je suis devenu un homme. Grâce à toi. » Et ça fait plaisir, voyez-vous. Mais ça dépend aussi de la façon dont on parle aux gens, si on ne les prend pas pour du bétail, pour des numéros. Moi, j'aime pas ce sport un peu business où les sportifs sont considérés comme du bétail. C'est pas ma façon de voir les choses. Mais cela dit, effectivement, je crois que les éducateurs, les dirigeants ont un rôle très important à jouer, surtout auprès des jeunes. Et ils ont effectivement une fonction d'exemplarité par rapport à eux. Est-ce qu'on en fait assez en France dans ce domaine-là ? Vous avez l'impression que le monde éducatif s'est assez emparé de la dimension du sport ? Il ne faut pas trop demander au sport, vous savez, il ne faut pas trop lui demander. Je crois qu'on demande trop au sport, quoi. Le sport, c'est le sport, avec ses qualités, ses défauts, et ça a toujours été comme ça, quoi. Donc, il y a effectivement un consensus social, il peut y en avoir un, il peut ne pas y en avoir un. Il y a de la violence, et ça dépend des cas, quoi. Pas toujours, d'ailleurs. Alain Christnart, est-ce que vous croyez que cette dimension éducative doit fonctionner mieux ? Oui, certainement. Le problème aussi, c'est que le taux de pratique sportive en France est plus bas que dans beaucoup de pays étrangers. Le sport est beaucoup moins associé à la vie scolaire. Enfin, on considère encore beaucoup en France que les études, c'est plus sérieux, sous-entendu les études intellectuelles. Je discutais là récemment des affiliations de jeunes au football. Ben, au collège, ça augmente, notamment sur le futsal, qui est un football qu'on peut jouer à 5 en salle et qui nécessite moins d'équipement. Et au lycée, ça s'effondre. On n'a absolument pas ça en Allemagne ou en Angleterre, où ne pas faire de sport, ne pas être dans une équipe au collège, au sens anglais du terme, ou à l'université, c'est vraiment être mauvais. Donc ça, c'est important quand même, parce que dans l'aspect éducatif du sport, il y a l'éducation par la pratique du sport et l'éducation du spectateur du sport. Et c'est sans doute plus facile, plus naturel d'avoir un comportement de spectateur respectueux des valeurs du sport quand soi-même on les pratique et quand ça nourrit une partie de votre vie. Donc il y a peut-être une clé qui est là aussi. Faire de vos supporters des stades de foot des vrais sportifs. Voilà, c'est ça, le sport, c'est quelque chose qu'on pratique aussi. Alors, en même temps, je crois qu'il ne faut, faut pas être trop pessimiste. Enfin, des progrès importants ont été faits
dans l'action éducative, dans la maîtrise des groupes dangereux. La grande période, si j'ose dire, de violence gravissime dans le sport, en tout cas dans le mien, si j'ose dire, c'est les années 70-80. Hein. C'est là qu'on a, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, des chocs extrêmement violents. Là, on est plutôt en ce moment sur une montée générale des incivilités et des violences légères. Quoi. C'est plutôt le climat qui se dégrade que les grandes violences, qui étaient le fait de groupes maintenant bien connus et bien encadrés. Le stade du Heysel, par exemple, vous le mettez 85, dans la catégorie des événements violents. Enfin, oui, évidemment que c'était violent. J'ai une bousculade, c'est aussi un phénomène. Alors, il y a eu aussi, plus récemment, bien sûr, au Parc des Princes, il y a régulièrement des accidents très, très graves. Mais je veux dire, là, il y a maintenant un arsenal, celui de moyens de lutte, entre l'équipement des stades, la présence des stadiers, qui sont moins provocateurs, vous parliez de fait que des policiers en tenue de maintien de l'ordre dans le stade, le contrôle des clubs, les interdictions de stade, enfin il y a toute une panoplie. Ça, je pense que ça ne va pas cesser de progresser. En revanche, ce qui est grave, je crois, dans l'atteinte aux valeurs du sport, c'est des gens ordinaires qui insultent l'arbitre. Et ça, alors d'ailleurs, la Poste, qui est sponsor des arbitres, a une, donc là pour tous les sports, parce qu'il n'y a pas que dans le football que les arbitres se font parfois vituperer, a annoncé un tas d'actions, y compris très modernes. Par exemple, sur iPhone ou iPad, on peut avoir une application « Soyez arbitre ». Et on montre des situations de jeu, il faut avoir la bonne réponse, voilà, et on essaye d'apprendre ce que c'est le défenseur de la loi. Et alors, on l'apprend dans une problématique qui est très intéressante, parce qu'au fond, l'arbitre, c'est un juge qui peut se tromper et pour lequel il n'y a pas d'appel. Oui, un juge se trompe, il y a un appel, etc. Il y a un autre juge qui peut dire le contraire. Donc là, il faut accepter le jugement de quelqu'un au nom du sport, en sachant qu'il peut se tromper parce que c'est un homme. Et au plan éducatif, je crois que c'est assez important comme raisonnement. En tout cas, la lutte contre les violences contre les arbitres, c'est une de nos priorités à la Fédération de football. Gilles Kenervé, sportif de haut niveau, vous avez atteint donc les sommets dans votre discipline. Est-ce que vous vous êtes pas senti, j'ai lu notamment, je pense à ça, une interview de vous, où vous disiez, oui, je les ai à peu près tous battus, sauf Carl Lewis, une chose comme ça, c'est que ça doit être vrai. Bon, on sent quand même que, voilà, ça s'est bien passé pour vous. Comment, justement, battre ces compétiteurs, c'est violent, d'une certaine manière. Comment vous arriviez à les respecter? Comment est-ce que vous avez donné le meilleur de vous-même, sans avoir une envie folle qui se casse la figure en route, ou de les écraser? Non, je crois, vous n'avez pas connu cette violence-là? Non, je crois que le vrai sportif de haut niveau n'est pas du tout dans cette logique. La logique du sportif de niveau, c'est une quête d'excellence. C'est-à-dire, je vais exploiter mon potentiel. Qu'il me mène à être champion régional, être champion de France, être champion du monde ou champion olympique, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est effectivement d'utiliser son potentiel, d'être à son maximum. Donc à partir de là, vous ne venez pas pour détruire votre adversaire, vous ne venez pas pour l'écraser, mais vous venez pour effectivement donner le meilleur, tout simplement. Donc donner le meilleur, c'est quoi? C'est arriver sur une compétition, se dire voilà, j'ai rempli toutes les conditions pour pouvoir être au top ce jour-là. J'ai une bonne hygiène de vie, j'ai une bonne préparation, j'ai une bonne équipe autour de moi. Et ben là, voilà, maintenant c'est à moi de jouer et je vais essayer de donner le meilleur. Mais pas du tout en écrasant l'autre, mais uniquement justement en essayant de se dépasser, de dépasser ses limites et puis d'aller vers la meilleure performance possible. C'est uniquement ça. Mais je crois que cette violence vis-à-vis de l'adversaire, je pense que c'est une faute, une erreur, parce qu'elle vous met dans des conditions qui sont plutôt négatives et qui, à mon sens, ne vous permettent pas justement d'atteindre ce moment de grâce, ce moment de haute performance et qui permet justement de battre tous les records. Et vous faites un parallèle entre cette éthique que vous décrivez si bien et votre parcours professionnel et notamment l'entrée à l'ENA. C'est-à-dire que vous avez appliqué les mêmes règles? J'ai appliqué les mêmes recettes, effectivement, avec des passages, des objectifs, un recul vis-à-vis de l'événement. Et puis surtout, de me dire qu'effectivement, l'ENA n'était pas une fin en soi, comme le sport n'était pas une fin en soi. C'est uniquement un passage dans la vie. Ça vous ouvre des portes. Ça marche, c'est très bien. Ça marche pas, tant pis. Mais je donne mon maximum. Je travaille. Et si je ne réussis pas, je rebondis ailleurs. Et l'expérience que j'ai pu emmagasiner, je vais essayer de la mettre dans un autre domaine. C'est qui vos modèles dans ce parcours d'athlète de haut niveau? Quelles étaient, depuis votre enfance, les figures auxquelles vous aviez envie de,
de ressembler particulièrement ? J'ai pas eu de figure dans le sport réellement. J'avais des sportifs que j'admirais, effectivement, alors, de différents sports, que ce soit dans le football, dans le cyclisme. Mais j'ai jamais eu vraiment de modèle parce que j'ai commencé très tard. Et le sport n'était pas une fin en soi. Je veux dire, c'était, mes parents n'étaient pas pratiquants. Et je me suis dit, voilà, ben, je peux faire du sport de niveau. J'ai les capacités, ben, on va y aller. Mais ça aurait pu être dans un autre domaine. Ça aurait pu être de la musique, du chant, de l'opéra. Je ne sais pas. Vous c'est pas l'important. Vous êtes découverte, ça serait amusant. Racontez-nous ça. Comment vous êtes découvert un potentiel extraordinaire dans le, course. On a découvert mon potentiel au baccalauréat, lors des épreuves, puisque j'avais le choix entre gymnastique, natation et puis athlétisme. Donc vous avez 17-18 ans et vous savez voilà, pas que j'ai vous jamais, courez vite. Non, non, jamais couru. C'était très facile. Moi, j'étais très feignant à l'époque. Donc, j'ai vu les épreuves. Natation, je ne savais pas nager. Donc, c'était déjà réglé. Athlétisme, j'avais le choix entre une course de fond, un lancer de poids et un 100 mètres. J'ai soulevé le poids. J'ai dit non, c'est un peu trop lourd pour moi. Donc, on va pouvoir faire ça. Une course de fond, je dis oh là là, c'est trop long. Donc, on va peut-être prendre le sprint. Et puis, ce jour-là, j'ai fait un temps en basket qui me permettait de me qualifier dans les championnats de ma catégorie, les championnats de France. Et puis, 2 ans et demi après, j'étais vice-champion du monde. Voilà, donc vous avez couru le 100 mètres en 11 secondes, la première 100 mètres de ma vie en basket. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de recul vis-à-vis de cette pratique, beaucoup de recul vis-à-vis du sport, et que c'était uniquement un passage. Pour moi, ça n'a jamais eu l'importance que ça peut avoir pour certains. Ça a l'air complètement facile. Le Comité national olympique et sportif français, haute autorité dans le domaine sportif, a défini une plateforme pour les élections présidentielles de 2012, dans laquelle il souhaite, ça c'est le thème, faire du sport un enjeu pour la France. Belle promesse, mais qu'ils souhaitent notamment, c'est une proposition concrète qu'ils font, que les actes illicites tels que le dopage, la tricherie, la corruption, la violence et autres déviances qui mettent en péril les valeurs du sport soient l'objet d'un délit d'atteinte à l'image ou à l'éthique du sport. Alors, est-ce qu'on est dans le théorique et le baratin, pardonnez-moi l'expression, ou est-ce qu'on est vraiment quelque chose auquel il faut croire et pour lequel il faut militer ? Oui, moi je ne suis pas partisan dans ce domaine et dans d'autres d'empiler les lois alors qu'il y a déjà beaucoup de textes. Mais ce qui est important, c'est en effet que le contraire de la cohésion sociale par le sport, ce n'est pas simplement la violence. C'est aussi la tricherie par le dopage, c'est aussi un primat de l'argent qui finit notamment dans l'opinion par apparaître comme contraire aux valeurs du sport. C'est le racisme dans le sport, sur lequel il y a quand même des choses à dire. Et c'est tous ces comportements qu'il faut bannir, contre lesquels il faut lutter. Je pense que l'arsenal législatif est tout à fait suffisant. Hein. Le dopage, il y a une agence française de lutte contre le dopage qui est maintenant très structurée. Il y a évidemment une répression pénale. Le racisme, il y a aussi une répression pénale. Donc c'est pas une nouvelle loi qui changera quelque chose. Quant à l'atteinte à l'image du sport, évidemment que tout ça y aboutit, on ne va pas pénaliser. Non, l'ensemble des moyens, c'est la communication, si vous voulez. Et c'est aussi la difficulté, je crois, des médias et de notre société de communication, qui est que tout de même, les 700, 650 000 matchs qui se déroulent sans problème, les bénévoles qui font tout et qui sacrifient leur week-end pour entraîner des équipes de différents sports, ben ça, on a du mal à en parler. Alors, c'est pour ça qu'on tient beaucoup à la Coupe de France. Parce que ça montre, on l'a vu encore en Bretagne, qu'au fond, les clubs amateurs, c'est quand même ça, le fond du sport, et de temps en temps, ils arrivent à des beaux résultats, et sans beaucoup d'argent, et sans tricherie. Parce qu'évidemment, pour des amateurs, tricher, ça n'a absolument aucun sens, puisque justement, leur engagement, il est dans la réussite vraie. Donc, il faudrait arriver à parler aussi des valeurs du sport, parce qu'à force de parler des atteintes aux valeurs du sport, on finit par convaincre que le sport se limite à ses atteintes. Quoi. Voilà. Mmh. Et ça finit par démobiliser tout le monde. Et en termes d'exemplarité, moi je me pose la question, en quoi le sport et les sportifs doivent-ils être plus exemplaires que des hommes politiques, que des financiers, moi je me pose la question, très sincèrement. Alors effectivement, nous avons un rôle à jouer, mais je crois que c'est la société qui doit être exemplaire vis-à-vis de la jeunesse. Donc arriver à des extrémités comme des lois ou des délits pour effectivement essayer de régler les maux du sport ou pour de changer l'image du sport, je pense que c'est la société qu'il faut changer et pas focaliser uniquement sur le sport et les sportifs. Mais vous ne croyez pas que le sport, enfin on l'a dit quand même dans ce débat, que le sport avait quand même un rôle particulier à jouer, du fait même qu'il implique un dépassement de soi,
Bien sûr, mais il a un rôle à jouer. Aussi de, suppose, oui, il a un rôle à jouer comme les autres acteurs de la société. Mmh. Et je pense qu'il ne faut pas focaliser tout sur le sport. Il y a d'autres acteurs qui sont aussi importants, qui sont des exemples pour notre jeunesse. Effectivement, il faut que chacun prenne sa part et chacun puisse revenir vers ses valeurs et vers ses valeurs éducatives. Max Voisini. Je suis tout à fait d'accord, donc je ne vais pas en rajouter quoi. Ce qui a été dit sur les lois, je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, il ne faut pas trop demander au sport. Et par exemple, sur la question, donc on a élargi le champ à l'instant en disant qu'il n'y a pas que la question de la violence, il y a d'autres dérives que sont notamment la tricherie, le dopage, l'argent. Mmh. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous pensez pas que vous-même, vous aviez dit à un moment que le rugby manquait d'argent, manquait d'investisseurs, manquait de, j'ai dit ça, d'une ambition. Bah, ça a changé. Ça a changé. Ouais. Ça a changé depuis. Non, mais vous y avez apporté aussi. Non, mais ça n'a pas de commune mesure. Mais c'est vrai aussi que moi, j'ai été un petit peu choqué parfois par l'annonce de certains salaires dans le football. Je trouvais que c'était une certaine violence dans la situation actuelle, la crise que nous vivons. Et donc, à la limite, que j'aurais préféré que cela reste un petit peu caché de façon très hypocrite. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a la une des journaux, qu'un joueur éventuel, et c'est pas une critique contre le sport, c'est une réalité partout, va toucher 800 000 euros par mois. Bon, je pense par rapport aux gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, hein. Je crois que c'est une grande violence, ça. Et je crois que c'est une violence par la communication, alors qu'à la limite, de façon très hypocrite, c'était pas indispensable de l'étaler un petit peu partout. Bon, ça s'est pas fait, certes, mais dans le rugby, non, il n'y a pas énormément d'argent. Et dans un sens, moi, je suis assez favorable au Salary Cup. J'ai vu que il en est question dans le rugby, et quand j'étais au comité directeur de la Ligue, j'ai œuvré là-dessus. Vous pouvez développer pour les néophytes. Salary cap, ça veut dire, bah, salary cap, c'est très simple, c'est que la masse salariale d'un club est limitée, quoi. Donc, et on ne peut pas dépasser cette masse salariale, ce qui évite certaines dérives. Étant bien entendu que pour que ça fonctionne, il faut que le périmètre soit élargi et bien défini, parce que si le salaire, si on respecte les salaires, mais s'il y a des contrats d'image ou si les joueurs sont payés sur des sociétés offshore, forcément qu'on ne va pas respecter. Alors c'est là qu'effectivement, il faut peut-être pénaliser, peut-être pour éviter, mais ce n'est pas simplement au niveau français, c'est au niveau européen. Et je crois que Michel Platini, je pense qu'il en avait vaguement parlé. Je ne sais pas si l'idée était abandonnée dans le football, mais face aux nouvelles oligarchies qui arrivent, de l'Asie, du Moyen-Orient, il ne faudrait pas qu'il y ait un club ou deux qui ait tous les moyens et tous les joueurs, et que les autres soient finalement là pour faire figure, qu'ils fassent figuration et soient là à regarder les autres, quoi. Alors peut-être on peut se poser la question, effectivement, d'un salary cup. Enfin, moi, je suis complètement favorable dans le rugby afin que ça évite quelques dérives, quoi. Alain Krisnard, je rappelle, vous êtes directeur général de la Fédération française de football. Alors, cette expression de violence dans l'argent, dans certaines dimensions de l'argent dans le sport, pour le foot, c'est particulièrement le sujet. Est-ce qu'on va pouvoir réguler les choses dans ce domaine-là? Oui, c'est difficile. D'abord, il n'y a pas que dans certains sports comme le football qui a des salaires ou des revenus élevés. Selon que l'activité est populaire ou ne l'est pas, on critique ou on ne critique pas. Je veux dire, il y a des animateurs de télévision, les salaires ne sont pas proclamés, mais ils sont beaucoup plus importants que ceux dont je parlais, presque parfois, avec les revenus annexes. Il y a les activités de cinéma qui dégagent des revenus importants. Alors après, en soi, on peut qu'être favorable à l'idée de limiter cette escalade. Le problème, c'est que comme c'est un marché ouvert, non seulement au plan européen et au plan mondial, ça ne sert pas à grand-chose qu'un État limite la masse salariale à supposer que ça soit constitutionnel. C'est pour ça que en effet, l'Union européenne du football que préside Michel Platini essaye d'établir des règles financières, parce que il y a d'autres manières d'établir des règles financières, par exemple d'imposer aux clubs d'être en équilibre financier sur une période donnée. Parce que le scénario aussi de dérive financière vient de ce que certains clubs se mettent en déficit pour acheter des joueurs importants, en espérant que les gains que ce joueur, par sa réussite, va leur procurer,
lui permettront la saison suivante de s'équilibrer, où ils feront appel à une augmentation de capital. Donc il y a une sorte de course en avant qui n'est même pas régulée par des règles financières appliquées. Et ça, l'UEFA, ou peut-être la FIFA, mais elle est moins intéressée, je crois, par ce type de règles morales, peuvent sans doute imposer. Alors, cela étant, il y a aussi des effets de mode qui peuvent se renverser. Bon, là, il y a quelques investisseurs qui veulent associer leur image nationale ou de marque au football. Il y a l'engouement médiatique qui fait qu'il y a des recettes directes de droits de télévision, il y a des sommes importantes. Ça peut aussi se renverser ou décliner. Il n'y a pas de projet d'économie sociale et solidaire dans le domaine du football. Non, mais c'est vrai, pourquoi on ne ferait pas le Paris Saint-Germain une SCOP, tiens. C'est ridicule comme en idée. En tout cas, le rôle de la Fédération française de football, je voulais quand même le dire pour faire un instant de publicité, elle est de redistribuer au football amateur l'argent qui vient du football professionnel et des droits de télévision et de sponsoring sur les matchs que la fédération organise, c'est-à-dire les matchs internationaux des équipes de France en France et les matchs de la Coupe de France. Donc nous avons un rôle redistributeur et chaque année, nous distribuons 50 millions d'euros aux clubs amateurs. Ah oui. Qui, eux, n'ont pas de droits de télévision et eux n'ont pas de grands sponsors. C'est énorme, 50 oui. millions d'euros. Mais vous savez, il faut voir les chiffres du football. Hein. Il y a 2 millions de licenciés, il y a 18 000 clubs. Donc, je souhaite aux autres sports de se développer. Certains se développent beaucoup, comme le rugby. Mais c'est vrai que pour l'instant, en masse, c'est le sport qui est au premier rang en effectif. Max Vosini. Non, ce n'est pas contesté, parce que le football est le sport le plus populaire. Est-ce qu'il y a une Mais le rugby a fait de bonnes audiences l'an dernier, puisque ce sont les meilleures audiences de France 2. Pour la Coupe du Monde. Près de 20 millions, non, mais pour France-Angleterre, près de 20 millions, des points à 20 millions. On a bien vu sur TF1 la Coupe du Monde qui a quand même mobilisé. Et ce sport, effectivement, a connu une grande évolution ces 10 dernières années, quoi, indiscutablement. Votre question, c'était quoi? Non, je voudrais savoir s'il y a une chose que vous n'avez pas eu le temps de dire, que vous auriez envie de dire en conclusion, parce que ce débat arrive à sa fin. Non, pas spécialement. Sinon qu'effectivement, le sport existe depuis toujours. Moi, j'ai entendu qu'il ne fallait pas lui attribuer trop de vertus et lui faire peser trop de choses. Oui, tout à fait. Regardez, on parle des Jeux Olympiques, mais on oublie que dans les Jeux Olympiques, dans la Grèce antique, il y avait des combats à mort, quoi. Dans le Pancras, qui était, je crois que vous le savez, un mix entre la boxe, la lutte, et on pouvait crever les yeux des gens, etc. Donc, vous savez, il ne faut pas demander trop au sport. Je crois qu'on le vit, ça donne du plaisir aux gens. Très ça donne du plaisir. Donner du plaisir, ce sera le mot de la fin. La semaine prochaine, vous retrouverez Catherine Escrive qui vous présentera un débat ô combien différent sur l'art s'enseigne-t-il après le sport, l'art. Vive l'éclectisme, vive les mardis des Bernardins et à très bientôt. Au revoir.